Bienvenue dans cette vidéo informative dédiée à la nouvelle allocation de solidarité en Algérie. Un décret exécutif récemment publié dans le journal officiel clarifie les catégories éligibles et les conditions d'obtention. Cette aide vitale est pour les personnes sans revenus. Plongeons au cœur des détails essentiels. L'allocation forfaitaire est fixée à 7000 dinars pour ceux dans l'incapacité de travailler. Chef de famille physiquement inapte, personnes vivant seules, sans soutien familial, et femmes chefs de famille de moins de 60 ans. Les personnes âgées de 60 ans et plus, vivant hors d'une institution spécialisée, sont aussi concernées. Pour les plus touchés, une allocation mensuelle de 12 000 dinars est prévue pour les individus de plus de 18 ans ayant un handicap certifié à 100%. De même, les familles prenant soin de personnes handicapées mineures pourront bénéficier de cet appui essentiel. Concernant les conditions, la nationalité algérienne et la résidence en Algérie sont requises. Les demandes doivent être déposées chez les services municipaux. Leur traitement est possible par le demandeur ou un représentant légal. Le dossier de demande doit être complet. Un formulaire signé, certificat de situation familiale, preuve de résidence, certificat de non-revenu. Photo d'identité, absence d'affiliation à la sécurité sociale et, enfin, un rapport médical. Ce système est conçu pour soutenir les plus vulnérables et offrir une aide financière substantielle. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes concerné, n'hésitez pas à entamer la procédure dès maintenant. Merci de votre attention et veillez à partager ces informations précieuses avec ceux dans le besoin.